Alors, comment qu'ils vont bien? Ah, ils sont contents de me retrouver, hein? Eh ben moi aussi. C'est Gisèle Rouleau, soi-même. Bon pied, bon œil. Parce que souvent je me cause à moi-même et je me dis Gisèle, parlons peu, parlons bien. Bon, comment faire pour aller dans une maison de retraite à bas prix? L'oseille de... J'ai pas. Trop cher, j'ai pas. Moi, il me faut une maison de retraite avec chambre individuelle, un spa, jacuzzi, une épicerie, enfin... Le minimum. Ça cogite là-dedans. Parce que je suis quand même, j'ai à peine 40... Enfin... Je suis pas loin de l'âge de la retraite. J'ai quand même trouvé pas mal d'idées. Je vais mettre des petites annonces. Ah ben, il y a plein de sites qui existent. Le bon machin, le bon truc, enfin, je sais plus les noms, là, mais... Eh, ça, on peut tout vendre là-dedans. Ça, c'est la machine infernale, ça. On vend tout. Des tas de choses, quoi. Des tentes de camping, des bigoudis. Une autre idée qui m'est venue. Ça fume des fois, là. Je me reconnais pas. Et pourquoi tu trouverais pas un nouveau prétendant, Gisèle? Un genre de promis. Tiens, Luis Mariano, si j'avais voulu. Qui je voulais? On s'appelle pas Gisèle Rouleau pour rien, hein? Ah bah, monsieur Serpentin, oui. Quand même sportif, le ventre plat. Et va savoir en dessous si la tige à frisson, elle fonctionne pas encore, hein. Et puis, bah, on a monsieur Le Gallec. Pour moi, monsieur Le Gallec aussi, j'aime bien. Ah ben la dernière fois qu'on l'a vu, il est parti en courant dans la campagne, on l'a jamais revu. Il avait le socle de la charrue bien en avant, il paraît qu'il aurait labouré 29 hectares. Je me dis des fois, ma pauvre Gisèle, si t'avais eu au moins de la famille, mais avec mon défunt, on n'a pas eu d'enfant, il a pas eu le temps, je sais même pas si ça va en faire. Enfin bon, les deux sœurs Moulinet, les deux, eh ben sont mortes le même jour. Accident à la mer de glace, ça leur apprendra. Elles ont emmené leur mère pour hériter plus vite, eh ben c'est elles qui ont glissé. Ah ben bon, folle la vieille, elle avait mis des crampons. Je me suis dit, Gisèle, ma Gisèle, et pourquoi que tu ferais pas speakerine? Ta 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 ta. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ta ta ta. Bienvenue à l'ORTF. Sérieusement, une bonne idée ça? Je vous attends tous de pied ferme pour mon nouveau spectacle. Vous allez vous régaler. Bonsoir, vous êtes bien chez Gisèle Rouleau, R-O-U-L-O, au numéro que vous avez composé. Laissez donc votre message après le bip et puis je rappellerai si j'en ai envie. C'est comme ça puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez y faire?